présent, tout le monde sait qu'un projet classifié de la CIA a provoqué la tragédie qui a fait 300 000 victimes. Est-ce que tu me crois maintenant quand je dis que Kane nous cache des choses? Et tu penses qu'elle ne nous a pas tout dit? Je pense que Taylor est tombé sur un truc qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Ce qui fait de lui l'homme à abattre. Peut-être bien. Mais Kane est avec nous. On peut pas la laisser à ces sauvages. L'accord Winslow est en plein naufrage. On doit trouver Taylor avant que ça empire. Si on va pas chercher Kane, personne ne le fera. Elle est maligne. Elle survivra. Au moins jusqu'à ce qu'on arrive. Un mur d'enceinte. On quitte la zone de quarantaine. Je vous ai dit de pas venir me chercher. Vous réjouissez pas trop. On n'est pas encore là. Quel est votre statut? Il y a des gens qui sont pendus. Pour l'instant. D'après les vidéos de surveillance, ouais. Les immortels sont plus très loin. Et ils détruisent tout sur leur passage. D'accord. Donc oui, ouais. On rappelle, fin du dernier épisode. Sans blague. On s'est échappé d'un truc qui était en train de nous noyer. Et puis les immortels sont en train d'attaquer toutes les bases de la CIA à travers le monde. Parce qu'on a un traître dans nos rangs qui leur a tout divulgué. Divulgué, pardon. Ouais, mais il est dur ce mot divulgué aussi. Ouais, c'est du niveau 4 de prononciation quand même. Bon, donc voilà. Bonjour à tous, ici Bird. On est avec Chris92. Bonjour. On est sur Quetzal Games comme d'habitude. De toute façon, on est nulle part ailleurs. Et de toute façon, je sais pas, à part ça, j'ai pas de vie. On va rentrer là, je parie. Oh, je suis trop fort. Impérial. Donc on est toujours en compagnie de Jimi Hendrix. C'est un hôtel en Asie. Ouais, ou une maison, je sais pas. Il y a une télé. Putain, l'écran. Où ça? Oh. Oh putain! Bon, Jimmy, avance. Ah ouais, il est grand quand même. Hein. Continue à suivre Jimmy. Il a l'air de connaître la baraque. Hein. On est peut-être chez lui? Hein, qui sait? Quoique à Singapour, je sais pas. Bah, il a peut-être des maisons un peu partout, le con. Y'a du monde! Ah, t'es cassé. Oh! Non, c'est mais bon. Faut viser les baboules direct, après, ça fait plus mal. Mais c'est ce que je fais, moi. Est folle de rage. Bah, je sais pas, je t'ai fait le taser. Bah oui, c'est mon attaque au corps à corps. Et quand on j'ai amélioré pour info. Ça fait quoi là, du coup? C'est pas une bonne plus de dégâts. Ah, bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire, Hendrix? Faisons ce qu'on fait de mieux. Oh putain. Buter des méchants. Comme au bon vieux temps. Ce jeu manichéen, c'est les gentils contre les méchants. Wow. Oh, GG. Oh, cette scène au ralenti. Qu'il y avait déjà eu dans les autres codes, il me semble. C'est une sorte de tradition, la scène au ralenti, je crois. Ça doit être ça, ouais. Par contre, j'ai toujours pas aimé cap. C'est normal. J'aime bien ces... comment dire, ces attaques no brain où t'as juste à tirer devant toi un peu partout. Arroser, ça suffit. Quand on aura sauvé les miches de Kane. Pas besoin de te casser la tête Taylor à viser ou quoi. Les autres seront déjà loin. Voilà ce qui se passe, Hendrix. D'abord Kane, et ensuite Taylor. On n'abandonne pas les nôtres. T'es sûr que Kane est des nôtres? Il nous ouvre la porte. Suivons notre guide. En fait, j'ai entre les deux épisodes, j'ai amélioré certaines de mes capacités. En l'occurrence, les seins.
Parce que c'est très pratique contre les super balèzes méchants, pas beaux, tout ça. Ouais, ouais, laisse un petit cochon. Hein. Tu sais, les gros balèzes qu'on galère à buter. Ouais. Bah, contre les seins, ça les paralyse, donc c'est plutôt pratique, quoi. Bah, tu m'étonnes. Alors. Hop. Oh, j'ai détruit plein de robots d'un coup. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle, écoute. Ça c'est parce que j'ai amélioré immolation. En fait, j'ai déjà ça revient super vite maintenant et ça fait plus de dégâts. J'ai amélioré les trois capacités les plus utiles, immolation contre les robots. Enfin, rien que le nom, il fait peur quoi, immolation. Mon attaque au corps à corps. Tu comprends pas. Sésame, hein. Ouvre-toi. Mais qu'est-ce que tu fous, putain? Ah bah ça dépend, ils vous avons du cher ou pas. Façade, la CIA a fait des expériences illégales sur des êtres humains. Des expériences qui un jour se retourneraient contre eux et provoqueraient la mort de centaines de milliers de personnes et la souffrance de plus encore. Alors dis-moi, qui est le méchant dans l'histoire? Ceux qui ont survécu à une catastrophe survenue juste devant leur porte? Ou les enfoirés en costard qui ont tenté de l'étouffer? Le bâtard. Balance des cocktails Molotov. Ils ont bâti une société qui n'est pas parfaite. Peut-être qu'en fait ils veulent se venger. Peut-être qu'ils veulent la justice. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas nier que leur colère est justifiée. Taylor. Oh, ils vont les brûler vifs. Taylor. Kane. Taylor vient de pirater notre. Ça risque de faire mal quand même. Kane. Elle ne répond plus. Il est peut-être déjà trop tard. Si les immortels entrent dans la base, Kane est perdu. Grimpe là-haut, trouve-moi un passage. J'espère que t'as raison à son sujet. Je crois que pour la première fois... Oh, j'ai une Shiva. Oh, la Shiva, Shiva j'adore cette arme. T'attends que personne te regarde. T'as quoi, toi, comme arme? La même. Oh, la double. Putain, on les one-shot dans la tête, c'est cool. Ouais, pas que dans la tête, hein, écoute. Ok, on s'accompagne d'un essaim. Oh, il en tue deux d'un coup. What? Ok. Je peux pas sortir si par là. Mais qui c'est? Je les vois. Ah, il y a des drones. Ouais, il y a des petits drones en l'air. Ce qui me tirait dessus depuis tout à l'heure. Ah putain. Oups. Voilà. On va peut-être progresser quand même. Attends, je vais m'occuper des drones. Secondaire. Ah, j'ai toujours mes cannes en secondaire, donc ça c'est cool. Oups. What? Ah non, ok, c'est ça la Shiva. C'est bon, ils ont compris? Ok. What? Mais qu'est-ce que c'est qui me tire dessus? Il y en a un dernier là-bas. À l'intérieur. Où est-ce qu'il est parti, ce con? Non, on va peut-être aller là-bas. Il est mort? Bon. Bah, là, on avance. On va bien, il y a un portail. D'accord. Ok. Ouverture. Chérie, je suis rentré. Aïe. Ça va, stylé. Il est fort, le. Il est fort, ce con. Ouais. Oh, tu le vois, toi aussi, hein. Bah, il est gros. Donc, ouais, ne pas le voir, ce serait ça, la difficulté. Ok, donc on monte sur les toits. Ça, c'est cool. J'ai toujours aimé jouer sur les toits. Ah. Merde. Bon, perso, c'est pas un kiff plus que ça, c'est marrant, mais... Eh ben, pourquoi j'ai plus ma Shiva? Je te couvre par au-dessus. Faut que t'appuies sur la flèche de gauche. Ah. Facile, t'attends que personne te regarde. D'accord.
Essaie de rester dans l'ombre. Hostile, juste au-dessus. Moi je suis descendu, t'es où toi? Je suis encore avec notre ami. Fuck, ils nous ont repéré parce que je suis tombé. Ah, dommage. Attends, je remonte. Faut qu'on atteigne les bureaux, droit devant. Tiens, on va le suivre. Aïe. Je les vois pas. Ah putain, ils m'ont eu. Oups. Ah, c'est un robot qui m'a eu. Attends, je vais me planquer un petit peu. Ouais, bah non. Voilà. Bah, 2 secondes, le temps que je récupère. Oh, comment je l'ai détruit au lance-roquette. Bon, lance-roquette, t'as pas trop de difficulté. Ça me fait marrer, c'est tout. Mais je vais utiliser mon XR2 parce que la lunette, elle est pas très pratique. La lunette de la Sheva. Ouais. Bah après, à la base, là, c'est juste pour qu'on soit pas grillé. Oui, voilà. T'es là? Non. J'arrive. Waiting for you. Là. Ok. Comme d'hab, passe devant. On ouvre encore. T'es sûr que tu veux pas laisser tomber? Pas question, Hendrix. On ne quittera pas Singapour sans elle. Ils sont entrés dans la base. Je me replie dans la pièce sécurisée. Activation du code noir. Non, mais ça c'est... Mais vous étiez passé où, bordel? Vous avez pas entendu ce qu'a dit Taylor? Il vous a contacté? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Taylor vous a dit? Des conneries comme d'hab. Kane ! Putain. On a encore perdu le contact. Non. Y'a autre chose. J'ai juré de me venger. Ok. Vous avez bâti des murs autour des faibles et des malades. D'accord. Vous leur avez tourné le dos. Vous les avez oubliés. Aujourd'hui. Oh ! Les enfants de votre apocalypse vont se venger de ceux qui les ont regardés mourir sans rien faire. Vous récoltez ce que vous avez. C'est le gros bordel, hein. Coxulan ? Comment ? Hein ? Je lui ai donné accès à... J'aime bien la voiture. Taylor, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu cherches ? La décision, la responsabilité, repose toujours sur une personne. Je veux la trouver. Pourquoi? Parce que je dois savoir jusqu'où va ce trou noir. Hein? Un trou noir, tu dis pas de conneries, normalement, enfin, ça n'a pas de fond en fait. On commence par les snipers là-haut. Voilà. Putain, mais ils sont trop nombreux les snipers. Faut approcher prudemment. Merde! Qu'est-ce que c'est qui me tire dessus? Ils sont trop loin, j'arrive pas à les snipe.
Bah rapproche-toi. Voilà. Avec moi, faut qu'on atteigne la base. T'as dû faire un nombre incroyable de kills pendant que j'étais sur les snipers. Non, pas tant que ça au final. Stop. T'as entendu? SS Sparta. Ok, c'est bon, c'est bon. Oh. ASP, à couvert. Attire son attention. Je vais attaquer ses défenses. Les 50 quartiers arrivent par le parking. Après le ralentir. Continue de tirer. Comment ça se fait que ce truc avance encore? Oups. Ouch. Bah oups. Bon bah on recommence les amis. Ouais mais il est trop gros. Stop. On va peut-être se poser un peu plus loin du coup. SS Sparta. ASP, à couvert. Attire son attention. Je vais attaquer ses défenses. Putain, j'ai plus de munitions de lance-roquette. Va sur ta gauche, normalement il y en a un. Ouch. Quoi? Encore? Mais je suis derrière une voiture. T'es où? Derrière une voiture. Où est-ce que toi t'es? En face de toi. Ouais, je sais, mais il y a les snipers là-haut. Oh putain. Attends, je vais essayer de les choper de loin. Ah, je suis mort. Tu es mort? Tu vas réapparaître? Dans 12 secondes. Vas-y. Encore une. Je vais essayer de m'occuper des snipers du coup. Oh, merde, mais ce truc il me bourre. Oh putain, il renvoie les attaques. Son système de défense est trop actif. Je crois qu'il est. Allez, allez, allez. On va s'occuper des autres. Allez hop. On l'a eu. Voilà. Ensuite les snipers, est-ce qu'il. Ouais, il y en a un là. T'as vu le dernier? Apparemment. Okay. Taylor a merdé. Il a compris. Sympa les petits ponts de rue quand tu rentres. On ne sait pas qui nous écoute ou qui nous parle. Donc notre truc de communication n'est plus sécure du tout. C'est cool ça. C'est bon à savoir. Je suis où là? Je suis tombé. Ouais, viens. D'accord. Oh mais il y a du monde. Un peu. Oups. Une grenade. C'est pas très sympa. Wow. Oh putain, y'a un lance-roquette, il m'a pas loupé. Viens, je suis mort. Ouais, ouais, j'arrive. Merci. Wow. Oh putain! C'est le lance-roquette, ça faudrait qu'on le nique rapidement. Bah, on reste en haut pour l'instant. Ah, trop tard. T'es attends, chiant. Je vais essayer de voir. Mais non, mais quand j'ai repop, j'étais déjà en bas. Ah, d'accord. Si ce n'était que ma volonté, je serais resté putain, planqué. Mais ils font mal les snipers! Oh, les lance-roquettes un peu plus. Là. Mais bon, ça va, j'ai niqué celui de tout à l'heure. Putain mais wow. Hey, t'es en sécurité nulle part clairement. Ah j'ai plus de munitions avec l'autre. Oh non.
Et toi, tu nous aides pas? Bah moi, je suis sur le côté, j'en ai déjà sur moi, donc... Je parle pas de toi, je parle de Hendrix. Ah, pardon. Non, bah il se la coule doux, je crois. Putain, c'est la galère. Toi aussi, t'en as un qui mitraille à la mort sur toi? Non, moi ça va. Ah, moi j'en ai un, laisse tomber. Ah, je peux pas grimper, évidemment. Je suis à 3 chargeurs sur lui, il est pas mort. Ouch, c'était pas une bonne idée que de monter là-haut. Ok, donc c'est bien la galère. Non, mais ils sont encore pleins en plus. Bah ouais, c'est ça le délire. Bah, on n'arrivera à rien en restant planqué, c'est ça le souci. Ah, mais attends un peu. Ah, mais c'est une bonne idée ça. Ah ouais, d'accord. J'avais pas vu qu'il y avait des gros milieux quoi. Je sais... Putain! Ok, comment on sort d'ici? Voilà. T'es là. Viens, apparemment sur des voitures, t'as des tourelles qu'on peut utiliser. Ah! Ouais, mais il faut les voitures pour ça. Bah, y'en a qu'une. Ah, voilà. Ah, c'est déjà tout de suite plus simple pour les tuer. Ah oui, ah clairement elles font le taf les voitures. Oups. Ah t'en as pris une. Attends. Ah ouais, ça c'est cool. Bon, a priori, on a plus. Ouais. Bah putain. Ah, oh, tu vas trop vite, tu m'as TP, t'es chiant. OK. Désolé. Maintenant, je suis même pas allé au bout. Ah mais je crois qu'elle a cassé la dame. Merde. Ouais. Je suppose que la mission est terminée. Trouve-nous un véhicule pour l'extraction, Hendrix. Trouve-moi ça, ça. Elle a cramé. Il y a encore une chance. Hey, tu m'écoutes? Elle est morte. C'est comme ça. Non, elle est pas morte. On est dans un peut-être jeu que vidéo. Si au final. Votre amie. Bah justement. Elle s'est bien battue. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle ne vous parlera plus. Maintenant, elle est bien sage. Vous verrez. Oups, oups, oups. Il y en a plein qui arrivent, faut faire attention. Oh putain! Merci. De rien. Ok. Heureusement qu'il y avait le laser, sinon on le voyait pas. C'est ça, elle est bien planquée, hein. Y'a que ce petit détail. Tiens. Alors, est-ce qu'il y en a en haut? Ouais. Ah ouais, non, j'aurais pas dû faire l'ouf en fait. Je suis mort à l'escalier. Ouais, mais c'est bon, je les ai eus. Ok. Merci. Go. Voilà alors. Non, c'était pas là qu'on devait aller, c'était en bas. Ouais, c'est ce que j'ai vu.
Non, on peut pas passer par là, faut faire le tour, ok. Non, en fait, les flammes, le concept, c'est qu'on peut pas passer dans... Eh, t'as remarqué ? C'est la base où on fait nos équipements et tout. Ouais, c'est ce que je m'étais dit. Putain, c'est dans un sale état. Donc les gens, c'est en fait, c'est ici qu'on se retrouve entre chaque mission pour améliorer nos équipements, nos capacités et tout. Enfin bref, un endroit chiant, quoi. Voilà. Elle avait raison, elle est pas morte. She's not dead. Ah si, en fait, elle est morte. Oh, salope. Ouf, oulalalala. Ça y est, elle est morte. Putain. Il y a peut-être un petit peu moins radical pour bronzer. Bon, on n'est pas encore sorti. Hein. Ouais. Enfin, t'es déjà un peu plus sécur que dans un bâtiment rempli de flammes. Quelque chose à dire, Hendrix ? Oh ! Quelque chose à dire, Hendrix ? Hein, mon petit Jimmy ? C'est moi. Manque de respect à son supérieur. T'as plein de sang sur toi. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Sinon, un pouce rouge, liberté d'expression, tout ça, vous connaissez. Comme d'habitude, tous les liens utiles sont dans la description. Et pour les petits oiseaux fraîchement éclos, abonnez-vous. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à me poser des questions en dessous de la vidéo dans les commentaires, c'est prévu pour. Vous pouvez partager la vidéo sur Facebook et Twitter, ainsi qu'aller jeter un œil aux pages de Quetzal Games sur les réseaux sociaux cités plus tôt. Vous pouvez aussi voter pour la chaîne sur YouTube Explorer et parler de Quetzal Games à vos amis et à votre famille. C'était Bird sur Quetzal Games, à la prochaine, bye bye.